Bonsoir, moi c'est Jacqueline Bélisère depuis Studio 57. Bienvenue dans une nouvelle édition Rendez-vous avec notre grand point Cap Dominé, Actualité. Plusieurs interventions qui faites dans les Nations Unies hier mardi 22 octobre 2024 l'ont mentionné aggravation situation insécurité à crise humanitaire dans le pays d'Haïti. Moyen-Orient, secrétaire d'État américain Anthony Blinken rencontré ministre défense israélien Yoav Gallant dans Tel Aviv pendant Hezbollah lancé jeudi mercredi à 55 roquettes sous Israël et puis au Mexique, l'armée touye 19 personnes les présenté comme membre cartel Sinaloa dans le cadre d'une opération militaire. Hier mardi 22 octobre 2024, là, c'était une occasion pour plusieurs acteurs de exposer dans les Nations Unies situation compliquée pays d'Haïti. Valérie Saint-Louis, t'es sûr pour nous, session ça. Hier mardi 22 octobre, la Conseil Sécurité Nations Unies était réuni sous situation Haïti. Dans réunion ça, représentant spécial, chef bureau intégré Nations Unies en Haïti, BINU, madame Maria Isabel Salvador, t'est présenté un rapport sous dernier développement dans pays. Et hélas, la situation en Haïti a empiré. L'on recense plus de 700 000 personnes déplacées internes. C'est une augmentation de 22% sur ces trois derniers mois. Le processus politique, malgré des percées initiales dont j'ai fait état au mois de juillet, rencontre maintenant des obstacles de taille. Les Haïtiens continuent de souffrir dans tout le pays alors que les activités des gangs criminels connaissent une escalade. À part de chef BINU, Madame Catherine Roussel, qui est directrice exécutive UNICEF, là, t'es lui-même tout bas, Conseil Sécurité, a eu un rapport par vidéoconférence. Plus de 3600 personnes auraient été tuées. En 2024, les groupes armés se rendent coupables à intervalles réguliers de violations graves contre les enfants, y compris des meurtres et mutilations. Et cette année, nous avons constaté une augmentation spectaculaire du nombre d'incidents signalés de violences sexuelles contre les femmes et les enfants, y compris de violences sexistes. Toujours dans la réunion Conseil de sécurité des Nations Unies sous Haïti, Mme Rosie Auguste du Sénat, représentant l'organisation Douamoun, a même accentué dans l'intervention sous problème de corruption dans le pays. La corruption gangrène le pays. La gestion du dernier scandale ayant éclaboussé des conseillers présidents qui veulent à tout prix s'accrocher au pouvoir en constitue une preuve irréfutable. Bon côté parle, représentant permanent Haïti dans les Nations Unies, ambassadeur Antonio Rodriguez, te prend la parole pour exprimer inquiétude li sous situation pays avec tout problème déportation haïtienne dans la République dominicaine. Les pratiques de déportation massive de ressortissants haïtiens par les autorités dominicaines sont non seulement des violations des droits fondamentaux de la personne, mais elles sont également contraires aux instruments internationaux. Et ministre des Affaires étrangères de la République dominicaine, Roberto Alvarez Gil, te répond pour le dire. Le gouvernement de la République dominicaine ne peut accepter l'appel insensé nous exhortant à faire cesser les rapatriements. En effet, ce serait comme déclarer que notre frontière est ouverte. Cela encouragerait une migration irrégulière vers le pays encore plus grande. Jamais nous ne permettrons cela. Bon côté parle Erastis et quitte la locale, représentant permanent pays Kenya dans les Nations Unies, lui-même tout le prend la parole pour parler de force multinationale. Le président William Ruto a réaffirmé que le Kenya était prêt à déployer 600 agents de police supplémentaires. Ces agents sont en train de suivre une formation pré-déploiement et ils seront prêts à être déployés dans le cadre de la mission à la mi-novembre 2024. C'est comme ça, réunion Conseil de sécurité des Nations Unies sous cap pays d'Haïti a été fini pour VOA Creole. Valério Saint-Louis, depuis New York. Merci Valério. Une structure politique en Haïti, regroupement politique en tant que force organisée et fort, mandé deux branches exécutives haïtiennes chercher joignion compromis rapide dans le cadre respect accord 3 avril 2024 là pour sauver transition démocratique là, Renan Toussaint. Dans la date 16 octobre 2024 qui s'est passé là, Conseil présidentiel transition a été écrit au Premier ministre Garry Conille pour suggérer un remaniement dans le cabinet ministériel là pour capable renforcer l'efficacité action gouvernementale et répondre à l'aspiration de la population puisque l'équipe qui l'a connue, d'après ça, a dit, manquait performance à cohésion. Mais le Premier ministre Garry Conille n'a pas montré le favorable à la démarche. Ça, syndicaliste Jacques Anderson Desroches, qui fait partie en tant que force organisée et fort, yon regroupement politique ak organisation dans la société civile haïtienne, plaidé en faveur yon entente entre acteurs concernés pour retirer pays d'Haïti dans l'isolement sociopolitique et économique. Et faut vider celle dans quatre pays pour soulever moun qui sont haïtiens natifs natal pour comprendre c'est pétac dans qu'on est pas pour seulement nous pas pouvoir garder nèg dans jebin n'accepter tout ça qu'a fait pays pas pour nèg seulement et là c'est mon jouet lié donc si ni ta pas la braler j'al braler pita pas pétis pays a décapitalisé
10 machines, transporteurs. Le pays a déconstruit l'école fermée. Et je dis, ouais, tout n'est net dans la machine officielle. Bon, quand tu parles, ancien député Antoine Roudon Bien-Aimé plaidait en faveur respect accord 3 avril 2024 là, avec mise en place d'un gouvernement d'union nationale pour résoudre problème qui existait entre conseil présidentiel transition hein, à gouvernement. Gouvernement d'union nationale, ça a gagné pour planifier le référendum dans tout le monde et organiser les bonnes élections dans le pays. C'est ça. En tant que force organisée, mandé, et nous dit tout le monde, on fait dernier effort ça pour nous retirer le pays dans sa lila. Pendant ce temps, situation sécuritaire a dégradé chaque jour, bon Dieu m'été, côté citoyen, pas qu'à vaquer librement à occupation, yo, notamment dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, là, où est Toussaint, pour VO à Créole, Port-au-Prince. Nous, toujours dans le pays d'Haïti, ministre Santé publique et population, Georges Fils-Brignol, visite jeudi mercredi à Centre Santé Eliazar Germain dans Pétionville. Après visite ça, il a annoncé disposition pour améliorer qualité service patient à recevoir. Yves Manuel. Ministre Santé publique et population, Georges Fils-Brignol, visite l'hôpital Eliazar Germain qui trouvait dans Pétionville. Visite sa fête dans objectif pour capable ouais qui gens l'hôpital là a fonctionné. Moi passer là jodi pour me garder comment service ça est et surtout moi recevoir des doléances côté que c'est pas trop ça que nous t'avons voulu faire. Donc nous là pour nous aider à améliorer qualité service pour nous avoir besoin et aider directeur pour renforcer capacité l'hôpital là d'une manière générale. Centre santé ça fait face à un pile difficulté selon le directeur médical là docteur Darius Fracito qui dit l'espérer changement après visite ministre là. Nous avons l'hôpital qui pas fait pour recevoir un pile malade, c'est une structure qui là, c'est une maison habitable qu'il était, il est transformé en centre santé mais avec dynamisme que nous mettons nous rendre fonctionnel la paix fonction l'hôpital. Ça a créé un pile de difficultés. Les gens sont venus, ils sont en contre trop long. L'archive là, il y a un problème. Mais malheureusement, il n'y a pas trop de espace pour nous mettre. Mais avec l'instruction du ministre, nous prenons le travail pour améliorer la qualité du service que nous avons pour nous augmenter non seulement la quantité de soins que nous avons, mais la qualité de soins que nous avons à l'hôpital. Là. L'hôpital ça a desservi plusieurs milliers de citoyens dans Pétionville et zone qui avoisinait l'eau. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Ou sous VOA Creole, on va suivre rendez-vous plus développement actualité à dans un petit moment. Oui, actualité à la région Moyen-Orient, secrétaire d'État américain Anthony Blinken rencontré ministre de Défense israélien Yoav Gallant dans Tel Aviv, alors que Hezbollah lui-même l'a lancé jeudi mercredi 55 roquettes sur Israël. Pendant ce temps, quelques leaders dans le sommet BRICS là profité mandé yo cesser le feu dans la guerre. Gentil Augustin Junior. Moi vraiment crois l'homme chinois bail une opportunité important pour retourner otage la caillou fini avec la guerre et puis assurer sécurité Israël. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken dit reporter yo dans Tel Aviv avant li traverser dans Arabie Saoudite l'île pour finir avec le conflit dans Gaza. Alors que, même famille otage américain qui a origine israélienne manifesté devant l'hôtel secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans Tel Aviv pour exiger dirigeants yo joignent un accord pour libérer otage yo. Ronen Netra, papa otage Omer Netra, déclaré. Nous t'es toujours attendé si noir tes principales barrières pour te joignent un accord. Mais kounye ya, si noir mouri, nous espérons que pression États-Unis pral lou sou do pati yo, kit se kata, Égypte ou soit Israël et puis sans doute Hamas pour finaliser akowa et puis retourner otage la kayo. Yon l'autre côté, président iranien Massoud Pezeshkian mande membres BRICS pour aider yo mettre fin dans la guerre dans Gaza ak nan Liban. Mande tout membres BRICS influyant yo pour yo servir ak toute capacité collective et individuelle yo genyen pour finir ak la guerre dans Gaza ak nan Liban et puis tout attaquer réfugiés yo et baisser tension dans région. L'armée Israël l'a déclaré, Liban lancé 55 roquettes dans nord Israël
Ariel jodi mercredi ya. Mais yo te rive bloqué quelque là dans yo. Yoav Gallant, ministre défense Israël là, déclaré pendant visite li nan yon base aérien la meya. Après yon attaque en Iran, yo pral tout comprendre en Israël ak l'autre côté yo ki sa processus préparation ou yo gen la dan. Combattant Hezbollah yo di yo lancé yon ban roket nan base Glilo ki se unité intelligence militaire Israël là nan yon quartier nan Tel Aviv. Nan yon déclaration, groupe la di se yon base li te visé plusieurs fois pendant dernier jou sa yo. Li di tout roket sa yo se yon réponse ak attaque et puis massacre ennemi sioniste yo te fait. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. États-Unis élection produit cap vendre pendant campagne électorale là non seulement a fait promotion pour candidat yo mais il a sensibilisé supporter yo pour sauti à voter. Jean-Robert Philippe c'est un aspect spécial dans campagne là ou même ou gain occasion ouais qui gens de vendeur yon démocrate à qui yon républicain a demandé unité parmi électeurs yo. Effectivement, j'en dis à la clé, c'est une idée que le journaliste avoir d'Amérique garder pour voir qui gens que ça va aider. Tension qui existe entre les électeurs, mais le fait que machin, yo, y a vingt produits, deux candidats, yo, et y a pas aller loin, une autre, y a tout l'hérité, côte à côte, eh bien, y a regardé qui en ça qu'a calmé, température parmi les électeurs. There's no reason that we can't coexist here in the same location. Les Sandra Robol, yon démocrate dans Californie, te wè yon cabine k'ap vann marchandise Donald Trump, li te frustré pou tèt démocrate yo pa gen asse visibilité nan communauté a. C'est comme ça qu'il décide d'ouvrir une cabine pour le vendre marchandise Kamala Harris. Jusqu'à dernièrement là, nous pas fait promotion pour croyance politique nous. C'était un bagage nous kembe secret dans ken. Nous vivons avec à respect entre nous. Tout bagage changé l'être entré sous scène là. C'était en cours bataille dans fédération mondiale là ou bien une équipe sportive et nous pas capable été invisible encore. Arrondissement Orange, dans Californie, c'est une enclave républicaine solide dans l'État qui est démocrate. Elle vit à Kedi Pantig, par aimer cabine Kamala Harris là, Bogoté. Elle vit Pantig déclaré. Nous parlons. Je l'ai dit ça, nous parlons de cabine ensemble. Non. Pour quelle raison? Et dit Pantig répond, arrondissement Orange là, doit un arrondissement républicain seulement. Côte là, c'est à deux de l'autre côté. Just because I'm Republican and she's Democrat, there's no Stephen Lawrence, républicain en Californie, a géré cabine qui a vendu marchandises pour Trump. Il a déclaré, dans le commencement, il y a eu une tension avec Obi, mais finalement, nous sommes d'accord pour partager l'espace là. Juste parce que moi, c'est un républicain et lui-même, c'est un démocrate, pas de raison pour nous pas capable de collaborer ici là, dans le même espace là. Nous avons un sentiment différent, opinion différente sur Bagayo. Certainement, tout le monde caché émotion. Yo. Non pas vle raïsman mélangé avec vision politique de parti. Yo. Susan Johnson, une démocrate, déclaré, c'est une bonne idée pour deux cabines côte à côte. Moi, quoi, il est vraiment intelligent. Moi, quoi, si moun capable chita pour parler ensemble, yo capable découvrir un pile bagay en commun. Zaid Abaibe, un républicain, déclaré installation de cabines cap vendre marchandises politiques différents, montrer américain capable entendre sans yo pas d'accord. Robbie ak Lawrence déclaré yo ses amis depuis mois passé yo, yo n'a voyagé sous l'autre là pour assurer que yo en sécurité. Yo écrit dans pancarte là nous tout demander souple, gentil yo n'a l'autre aider baisser température clientèle politique là. Alors, Jacqueline, donc, je dis mercredi, activité candidat, yo, gain d'abord candidat parti démocrate, la Kamala Harris, lui-même, il trouvait dans Pennsylvanie, côté la participé non rencontre en bâtonnel, et puis, gain candidat parti républicain, ancien président Donald Trump, lui-même, il trouvait dans Georgie, mais entre temps, ça n'a pas empêché qu'il continue à critiquer et à voter tout à son candidat parti démocrate, la Kamala Harris, Jacqueline. Merci, c'était Jean-Robert Philippe pour page électorale alors que c'était moins que deux semaines pour l'élection ça qui pourrait le dérouler 5 novembre Cap Vinila. Et puis l'autre point dans l'actualité,
Eh ben dans pays Mexique la même mené une opération dans Culiacán après ministre défense là t'est annoncé li touye 19 moun li dit qui c'est membre cartel drogue Sinaloa. Fred Gaimit. Ministère défense mexicain a annoncé hier mardi 22 octobre 2024 là l'armée pays a une opération touye 19 moun qui ont identifié comme membre cartel Sinaloa qui est trafiquant drogue Joaquim El Chapo Guzman c'est confondatel. Dans le communiqué qui était publié, le ministère a déclaré, après attaque 30 individus te fait sous personnel militaire, tout près Culiacán, capitale état mexicain dans Sinaloa, il y a 19 là-dedans mouri. Note pour la presse là continue pour le dire, l'armée a été agi en accord avec la loi et respect total pour droit monde. Culiacán a zone qui entoure lieu enregistré un paquet de actes violents depuis après arrestation Ismael El Mayo Zambada, cofondateur cartel Sinaloa à tout. 25 juillet sot passé à qui actuellement en prison aux États-Unis. Arrestation trafic de drogue ça té provoqué yon la guerre entre famille et petit garçon trafiquant drogue Joaquim El Chapo Guzman. D'après ministère défense là, moun ki té attaqué l'armée mexicain qui mouri lundi a c'est membre yon commando qui lié à yon ti point dans groupe El Mayo. Pendant conflit lundi a, l'armée mexicain a arrêté tout El Max qui soi-disant leader commando a. D'après même sous cela, il était activement participé dans violence qui s'est passée dans Culiacán. Il était remettre monsieur Blaibi au juge principal dans l'état Sinaloa après arrestation li. D'après autorité yo, bataille en deux groupes cartel Sinaloa yo déjà la cause la mort 200 moun dans l'état depuis commencement mois septembre là pour rive jodi a. Merci Fred Kaimit, l'autre point d'actualité à Corée du Nord voyez plusieurs milliers de soldats dans la Russie. Well, our analysts they continue to look at this. Now we are seeing evidence that secrétaire de défense États-Unis Lord Austin dit là présence soldats sa yo représentait un problème très très grave qui a des répercussions non seulement en Europe mais tout dans région Indo-Pacifique là. Mais ça veut dire tout Vladimir Poutine lui-même li en difficulté et contrairement à ça moun pensé. Déclaration secrétaire de défense et États-Unis Lord Austin vini après États-Unis ak l'OTAN confirmé que gen bon jan preuve qui montrait que gen troupes nord-coréens qui trouvaient au dans pays la Russie pour prendre entraînement et yo wè risque pour escalade guerre Ukraine. Donc déclaration et Lloyd Austin ou sous VOA Creole n'a pas mettre depuis Washington DC mais nous couvrir actualité à dans le monde entier à diverses plateformes était branché. Plus passé 600 représentants organisations société civile là qui sorti dans Grand Sud té brassé l'idée dans un symposium qui té duré 3 jours. Reportage Jean-Ernst Eliska. On chita parlé pour ensemble nous joindre bon gens et stratégie pour rendre Grand Sud là autonome tout bon. C'est sous thème ça citoyens diverses organisations société civile là qui té sorti dans 4 départements Grand Sud là té chita brassé l'idée dans 3 journées symposium qui était déroulé dans ville Okaï. Président comité symposium nan Charles Murat a bay une idée sur participants yo à point qui était discuté pendant rencontre là. Moi-même, moi pas seulement quantifié en termes de 1, 2, 3, 4, moi regarder en termes de qualité. Et ensemble de monde qui là, qui font là-dedans, c'est des monde qui représentent des organisations communautaires de base. Donc là-dedans, il y a des représentants d'organisations femmes, organisations paysans, organisations pêcheurs, donc il y a un collectif pêcheur qui là. En termes de présentation, et ensemble d'intervenants là, on a avant dernier intervenant qui a fait une intervention moi. Tout de suite après, nous allons rentrer dans la table thématique. Comme si nous, le véritable travail là, c'est la table thématique qui a été faite. Donc c'est vrai qu'on a une représentativité, qu'on a un ensemble de monde qui fait des placements, qui vient, et on vient, on attendait. Mais le plus gros travail là, c'est Chita autour des tableaux. Nous avons 5 gros tables thématiques. C'est Chita autour des tableaux, côté que chaque monde a 10 ans. Vice-président Chambre Commerce Sud-Est, Amil Roland Zeni, te fait quelques propositions sur divers problèmes département sud-est là à faire face. Je vous présenter plan stratégique de relance économique sud-est pour que nous montrer les forces et les faiblesses du sud-est et mais qui j'ai un fonds de développement mais qui méthode que vous devez utiliser et mais qui façon que nous réussir développement. C'est pas au monde qui camper dans côté dans notre pays et puis qui était vous en paquet ONG là
vin fè sa yo vle non takou mon poula et yo vin yo fè sa yo vle jen yo vle non peyi di non nan sud-est nou pa d'accord sa anvan il faut que le grand sud il y a 6 millions d'habitants là-dedans mette tête yo ensemble campé pour nous dire que nous konn sa nou vle nous konn ki sa nou dwe fè et nous compte qui j'ai développé en fait. Comité symposium nan a gagné pour dresser un cahier de doléances pour voyer par le pouvoir central là sur divers qualités problèmes et propositions qui étaient faites pendant symposium Grand Sud là. Jean-Ernst Eliska, VOA Créole, Okay. Nous voulons remercier tout le monde qui est branché sous VOA Créole. N'a pas rappelé que nous avons un programme radio qui est les sacs passés Haïti qui passait chaque jour, soit lundi pour arriver vendredi. Restez branchés, n'a pas tourné dans un petit moment. Les pirates prennent contrôle appareil électronique yon utilisateur, cadenasse données électroniques li et mandé payer pour retourner joindre accès à données sa yo, sa rele ransomware. On a regardé ça plus près avec Fred Gaimit. Ransomware c'est un mode logiciel malveillant criminel sur internet qui est utilisé pour forcer moun ba yo l'argent. C'est tant que yo fò ou les mains. Criminels ont utilisé ransomware pour empêcher utilisateurs de gagner accès à données qui est stockées dans l'ordinateur. Criminels ont utilisé un modèle cryptage pour cadenasser données ça yo. Yo mette un moyen pour utilisateurs à payer rançon, yon façon pour capable décadenasser données ça yo qui ont été bloquées. Rançon ça yo souvent payé avec Bitcoin. Raison qui fait utiliser modèle l'agent ça, c'est parce qu'il est impossible pour retracer l'identité criminelle qui reçoit l'agent ça. Dans le mois de février de l'année 2016, yon l'hôpital dans Los Angeles te paye yon pirate qui te prend contrôle l'ordinateur pour plus passer yon semaine $17,000 dans Bitcoin. En général, moyen qui plus facile pour pirate utiliser logiciel ransomware, c'est l'utilisateur à cliquer sur yon lien que l'on recevoit dans courrier électronique li, ou bien pendant la naviguer sur internet là. Pour protéger tête ou contre ransomware, les recommandé pour faire en pile attention à client que vous recevez dans email ou éviter naviguer sur site qui gain doute sur yon. Qui pas sécurisé. Pas jamais bas information personnelle ou financière sur un site que vous avez doute sur sécurité. Servi avec firewall et puis mettez antivirus ou à jour. Choisis mot de passe qui est long et puis plus difficile pour monde deviner. Fais en combinaison lettres, chiffres et symboles. Merci Fred Kaimit. Donc rubrique technologie a passé chaque mercredi à le ça sous VOA Créole. Mes amis, attendez ça. Norvège a paré pour le tourner premier pays dans le monde qui pral vendre seulement machines électriques en 2025. 10 ans avant objectif Union Européenne. Transition dans direction machine électronique a joué un rôle important dans off Norvège pour respecter engagement climatique li yo. Qui gagne la donne réduction à 55% sa rele gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à niveau yo en 1990. Mais pour un pile spécialiste, ça pas suffit. Gen l'autre bagaille pour yo faire encore ni Norvège ni en pile l'autre pays. Mais faut que nous dit machine électrique yo pi bon pour climat dans pays la Norvège. Donc cela veut dire que tant coup en pile l'autre pays. Eh bien, la Norvège lui-même l'a essayé mettre au pas pour le capable respecter l'engagement que le prend par rapport à les problèmes climatiques, gaz à effet de serre. Mes amis, nous pratiquement arrivés dans le fin programme. C'était un plaisir pour nous te servir. Et gros point cap dominé actualité, c'est plusieurs acteurs qui te prennent la parole hier dans les Nations Unies pour être capable de dire qui est en situation compliquée dans le pays d'Haïti. Donc nous voulons dire merci pour attention, merci pour fidélité et nous disons restez branchés sous VOA Créole parce que ça toujours fait nous plaisir. Moi c'est Jacques Belizère avec un pile plaisir cap casser rendez-vous avec nous demain pour un autre rendez-vous info côté que n'a pour nous actualité dans le pays d'Haïti et aux États-Unis surtout avec campagne électorale là ici. Moi c'est Jacques Belizère. Bonsoir. Ça privé. Et qui est-ce qui a pigo perdant ou encore qui est-ce qui a pigo gagnant?
moi-même m'a dit que je dis hein, plus gros perdant c'est peuple haïtien hein, et gagnant c'est monsieur dame qui dans l'état yo et soit dans KPT ou dis moi que dans gouvernement koni. Parce que je dis on a dit que situation hein, la police fait qu'on écrit à travers une petite vidéo que li a repris contrôle sur Lino gain de côté zone d'Emma 24 gain des opérations qui mener continue mener dans zone ça yo et n'apprendre que pour après-midi mardi 22 octobre 2024 là et ben t'as plusieurs agents UTAG OK plusieurs agents UTAG qui yo même tapoté renfort by agent Boyd qui était déjà dans Akaye mettez avec la population civile Akaye qui yo même déjà mobilisé pour que yo capable empêcher avec bandi Jeff Canaran yo mettez avec bandi Iso Sexegondio yo pour que nèg yo pas fait assaut attaque yo planifié pour faire sou moun Akaye et puis cabaret l'autre côté quoi qui environné yo en même temps tout des civiles laissez me dire que gagné sous secrétaire d'état émissaire aux États-Unis hein Brian Nichols monsieur qui dit que et qui mandé avec ni conseil président yo ni et gouvernement koni pour que yo mette chire pit lan sous côté division qui existait entre deux têtes exécutives ça que yo mette le sous côté et pour que yo capable gérer situation qui gen là selon ça qui dit bon côté Brian Nichols et il dit que pays États-Unis et campé derrière gouvernement Konilan pendant que gouvernement Konilan a exécuté et feuille de route accord 3 avril des Ivenes. Et n'a dit que nous apprendre dans journée qui était mardi 22 octobre 2024 là et bien t'a gagné plusieurs machines qui était en dedans local ambassade américaine dans Tabar et bien semblé dans coup que mardi a tiré dans périmètre et Tabar et bien t'a semblé que plusieurs et vite machines qui t'a recevoir plusieurs coup balle des Ivenes bien que nous pouvons joindre autorité américaine yo et qui réagit sous ça mais n'attend quand même ça cabini et comme information des Ivenes en pile acteur en pile parti politique qui yo même c'est si à ta 21 décembre qui yo même tout et qui a couché à et qui a couché KPT hein et qui a couché gouvernement Konilan yo déjà commencé à signer les divisions yo les divorcio avec ni KPT hein et ni et gouvernement Konilan et en pile voix en pile secteur télévé pour te dire yo espérer yo souhaiter que avec Gary Koni avec Ramon Amil avec KPT en kage un ouvre de soulagement jusqu'à présent yo déçu ou chien ouais pays après aller là des Ivenes. La situation toujours paraît très compliquée dans le département là Tibonite bandi bas gangrifio qui te base vient échanger coup balle avec la police sous dans niveau route national numéro 1 dans Kafoupey et bien depuis bien bon de aux environ 3h dans après-midi hier c'était coup d'armes qui t'a tiré entre la police avec bandi gangrifio qui t'a déjà fait un kidnapping depuis le matin et dans zone Grasette sur route coloniale là de bandi était trouvé dans situation très difficile pour être rentré avec ensemble taï ça était presque passé toute journée dans zone et radio lumière qui sur route nationale numéro 1 embarrassé côté la police t'a metté mise en garde qui t'a veillé monsieur Sayo et population qui pratiquement dans niveau vallée a demandé avec la police pour multiplier ensemble but check routine quelqu'un l'a fait qui cap empêcher situation vite pitrice parce que yo bandi yo malgré présence diverses unités spécialisées malgré présence officier kenyan yo yo remarqué que bandi yo pas bay ça réglé en vous yo continuer à faire activité criminelle yo chef gang Kokorat sera la meilleure li sorti yon voice qui dirait 7 minutes pour porter précision sur ti moun qui mouri ou bien ti moun qui blessé par balle dans l'école Lester. Il dit c'est pas sous l'école que t'a tiré. Si c'était sous l'école que t'a tiré, c'est massacre que t'a fait. Il montrait que responsable la police qui dans Lester, nous se semblait pas dans ses collés avec responsable qui est Hervé. Mais Blaise, ça fait me comprendre. Semble Hervé son bon policier qui parlant de ses collés avec gang. Parce que mais il a déclaré il doutait que Hervé pas dans trafic organe. Parce que chaque matin, au lever, ouais, pile sang, sous pont Lester, de pour ça, c'est soldat, Kokorat San Ras cap tombé. Parce que responsable commissariat, lui dit, sot, ville Lester, pas territoire perdu. Il dit, les gars, yo cap fait tout ça, y'a fait, dans l'autre area, yo.
Mais quand t'as pour centre ville Leicester, li prend contrôle li, li pa quitter nèg vin faire ça ou vle ak ça hôpital. Et ben envoyé ça, meilleur parler tout avec youn nan jeune garçon qui était organisé mouvement 17 octobre passé a Wat Limiton. Il dit Wat Limiton ou dit que on pa gagne 200 moun nan même. Si t'es gagne l'état, m'ta commencer touyer au grain par grain, chaque balle mayo, m'ta c'est Wat Limiton qui dit m'pa gagne moun nan même. Il famille moun yo connaît quel gagne moun nan même nan melwe. Mais il y a des gens qui disent j'en ai que ça au grand causé. Yo t'a fait une vidéo avec mon yo pour te montrer quantité moun ki yo gen nan men yo pour dire la police de pour attaquer m'a manger moun sa yo mais nèg yo arrange kou nya blaise bataille communication de masse là bandi yo arrange pour yo faire bien exact avec téléphone intelligent qui nan men yo exact yo enregistré une vidéo yo enregistré une voice yo publié ça qui gen pour avec blog yo blogueur yo yo prend yo partage elle fait impact qu'elle doit faire dans société a les personnes autorité dans l'état yo si d'elle ça va privé c'est parce que yo même tout yo dans dérive c'est parce que yo pas prendre responsabilité qui permet que ça va privé Blaise habitant dans zone Solino fait qu'on est quantité caille qui boule ka plus que ça après évaluation que moun yo ta ka privé comprendre citoyen qui rive perdre la vie yo pendant attaque là et qui jirait faut que yo contrôle les zones là quand même ça c'est bandi yo bandi yo jire faut que yo contrôle les zones là quand même faut que yo prenne zone Solino quand même dans bataille ça certains résidents di gen bandi qui tombé sans yo pas ka vraiment avancer aucun chiffre parce que bataille Solino songe gen des jeunes garçons qui c'est policiers qui rete dans zone là qui dit pas abandonner yo pas quitter yeah. Bandi et bien yeah. En pile dans nèg vivant ensemble yo valer à des naissances les personnes. Gen policier qui blessé tout dans opération ça mais population fait quoi que la police pas doit camper yo de continuer avec bataille qui a peine. Blaise m'a posé cette question est-ce que au commandement la police là comprendre bataille avec sacrifice que quelques grands policiers a fait là parce que m'a entendu diverses voix des policiers qui soient dans opération dans bataille dans akaye qui demandé renfort qui similaire avec voice que nous attendait dans village de Dieu et image je t'a montré que nèg yo te prend on blindé c'est un sacrifice que la police arrange il y a le récupérer blindé ça et nèg yo te gétan mettez du feu là-dedans blessé personne dans akaye bagay akaye on ti bagay petit l'état assemblé voulait livrer akaye pour le rentrer dans liste territoire perdu c'est ça fait archeloi archeloisio de besoin prendre responsabilité yo Blaise ou Pita Papitrice si yo prend j'ai regardé bagarre la gaspiller net bagarre la vin difficile oui Blaise bagarre la vin difficile oui ou route nationale numéro 1 ou t'a plein il pas accessible si nèg yo prend AKS là ça la vin inaccessible oui et bien plusieurs unités spécialisées dans police nationale d'Haïti a tabli base yo dans Delma 24 précisément dans quartier Solino et puis continuer avec opération qui a mené contre gang criminel yo dans quartier si là dans quatre opérations plusieurs bandits mortellement blessés dans échange de coups de balle avec la police c'est détail que la police précisé sous compte X yo toujours dans ça qui concerne les questions de l'insécurité dans le pays d'Haïti les personnes insécurité qui affecte diverses zones dans capitale là tant que nazon Crissoa Solino Delma Tabac li la cause en pile mob dans famille yo la gen dans couri pour vivre ensemble pas assassiné yo gen yon femme enceinte qui te gen 8 mois Blaise qui a préparé pour le tal accoucher qui mouri en babal dans quartier Solino pendant attaque groupe armé vivre ensemble yo d'après sa protection civile rapporté Blaise Peterson c'est en bas jeu l'état théoricien continue à massacrer peuple haïtien chaque jour premier ministre Dr. Gary Conille continue marcher faire album photo pour publier sur compte X pour publier sur Facebook pour publier tout partout elle dit ou li pas fait back jusqu'à présent n'a pas fait back là nous pas rien de concret qu'a fait de personne situation 24 fois plus difficile yo te faire rencontre premier ministre rencontre li dit qu'il y a plusieurs centaines de policiers et soldats qui détachés avec VIP yo ta revenir sur terrain et autant de les Voltaire à faire rencontre parle pendant nèg yo gen deux têtes exécutives là dans main Blaise nèg yo a goumé entre yo dans tout ça. Qui côté me camper? Qui côté bataille peuple là? Est-ce que peuple a délivré ou bien peuple a continué bien en crasse les personnes? Et là ça qui m'a ajouté des avant que nous entrer dans moment débat et puis poter avec les amis quelques réactions et j'aime des dire et nous même nous pas là pour nous faire promotion
pour violence. Et surtout, si nous avons parlé de violence, nous avons dit que l'État l'écrit noir sur blanc, l'État qui monopole violence légitime, non? Ok? Parce que il revient avec l'État pour établir la sécurité et la paix dans le pays. Hein? Mais je regarde une petite vidéo qui est peut-être sortie dans l'après-midi de mardi 22 octobre. Hein? Babé, mettez à genoux. Monsieur Gapman de Mounsolino en fait la paix. Et il dit comme ça, Mounsolino, même les nous, gen blende, gen bagay sa yo, yo va pas faire rien pour nous, en fait la paix. Et ça qui va attirer attention, me désir. Pendant que Babé, que mettez à genoux, la mande Mounsolino en fait la paix, ou équipe bon soldat qui avait, kap dit non, il va n'en bagay question la paix. Next, Mounsolino trop fréquent, fon goumé avec yo. Comprenez bien samedi, hein? Et c'est là pour nous comprendre. Dialogue que barbecue a pé demandé hein barbecue qui a demandé dialogue pour tête li li qui a cherché pardon pour tête li mais c'est pas tout vivre ensemble qui besoin la paix hein? Et pas tout vivre ensemble qui besoin dialogue là parce que pendant la dit moun Solino en fait la paix hein dit que qui bon l'autre soldat avec cap dit non pas en faire la paix faut pas nexa ou bois mérité je dis à comprendre que l'État pas de faire bac, l'État pas de courir, l'État pas de abandonner peuple. Non ça, ou imaginez comment suite n'a pas lié. Avant d'entrer dans le débat à cause à désir, grands amis bien aimés, ouais là mon cap suivre, mon qui aime suivre cap suivre et qui compte position. Dans émission que nous t'ai fait dans mi-temps journée hier, moi quand t'ai dit peuple, m'ai dit comme ça, craser toute bagarre tabou la raza. Vos amis qui disent blesse, non, l'on dit comme ça, mon yon ka mal interprété. Vous comprenez? Et vous regardez les commentaires, ça me prend la cœur. Et ça fait me sentir que les amis, ça, la suivent nous en pile. Mais bon, dis amis, ça me dit ça, et m'a pris dit. Et ça me dit, ça me adressé avec peuple haïtien qui a souffri. Moi adressé avec peuple haïtien qui a souffri. Moi adressé avec madame Sarayou, qui a des années, qui va traverser Canaran, qui va traverser Matissan. Moi adressé avec paysan cultivateur planté dans la Tibonite. Moi adressé jodi avec plusieurs milliers marchands, petit détaillant, grossiste commerçant qui gonn al dégager en bas la ville. Moi adressé avec plusieurs andi moun kap dégager dans la rien. Moi adressé avec peuple haïtien en général, m'a dit. Jodi quel que soit le capété conseiller président yo côté que 9 moun 9 raquettés 9 volés 9 corrompus qui fait un seul cap sous l'état parce que le fait que 3 conseils dans mitan yo que n'a cité dans scandale corruption BNC et bien, qui le fait que ou chita même côté avec 3 conseils ça veut dire ou clairement dit c'est volé tout parce que parole l'a dit en haïtien moun que ou fréquenté à ses licorier et ça veut dire 3 conseils le général Gilles et Smith Augustin Emmanuel Bertillère, que nous cité dans le scandale corruption BNC, le fait que l'autre 6 conseils accepté chita avec yo, eh bien, yo pote même étiquette là. Ça va gagner basouli. Eh bien, au lieu que KPT a conseil présidentiel, t'as bien, je dis, qui sous deuxième présidence tournant li, avec Leslie Voltaire, il était premier, avec Edgar Leblanc fils. Ok? Au lieu que yo entendent yo, yo discuter, yo travail ensemble avec Gary Conin que nous connecté fait en 10 ou bien 11 ans dans le pays. 10 ans ou bien 11 ans dans le pays. Il a travaillé pour Nations Unies, UNICEF, il était en tournée dans plusieurs pays dans les Caraïbes blanc. Elle dit Gary Conin m'gade froid, il pas même l'aide pas en Haïti, m'a côté même j'aime tendre ça qui a passé de Haïti, il avait pas de guerre pour ça. Mais le fait que ces classes politiques haïtiennes, d'ailleurs, yon moun dim, qui est classe politique, qui est secteur et société civile, parti politique qui est le gros parti, qui pas dans le conseil là, dim qui est. Dim qui est, que ou connaît comme ça, le gros secteur, gros parti politique. Qui parle dans le conseil présidentiel? Qui donc? C'est classe politique haïtienne, non?
c'est élite intellectuelle haïtienne, c'est secteur privé oligarque corrompu qui dans le conseil présidentiel transition ça. Monsieur, vous comprenez ça, me dit. Et l'enga de gare koni, nous est international et nous est diaspora, un parti qui de elle. Elle dit, grâce à nous, les gros secteurs, gros majorité en un pays, parti politique, yo, yo non sa nous est là. Yo non kap, sa kwa nan kapete, yo nan gare koni. Qui donc, c'est yo kap ban sa nan vive là. Gey te ban nou Ariel, et je dis, hein, c'est yo kwa nou ni kapete, et yo ban nou ni gare koni. Et c'est même yo même encore, qui ban nou gouvernement koni ken yon là. Parce que, chaque secteur qui nan conseil, yo chaque voye, on repre, yo chaque bon ministre nan gouvernement koni là. Chaque secteur. Mais un gros parti politique qui rentre dans l'EKPT, il y a chaque ministre en dehors du gouvernement qu'on y a. Qu'on a dit qui est-ce qui va, dit qui est secteur, dit qui est parti, dit qui est instance qui va, qui pas responsable de ça dans la vie là. Et je dis, hein, mais on vient avec un KEP 7 sur 9, elle garde pour la quantité secteur, université et la presse, paysan, l'église protestante, l'église catholique, vaudou, elle dit, c'est tout secteur là qui mettait ensemble, kaba nous sa na viv la. Et je dis, hein, lè que moi dit, sa na viv la, lycée échec, lycée responsabilité, classe politique 30 dernières années là. M'a tiré youn moi-même blaise. Ça n'a vive là. Lycée résultat. Lycée résultat. Classe politique 30 dernières années ça. M'a tiré youn. Kounya dim. Kounya qui est-ce qu'a vin passé pour Pimon? Qui est-ce qu'a dim li pas jam péché? Jean que les Jésus qui se dit dam nan, moun ki konne pas jam péché, tire premier coup trois chats. Dim ki est nan moun ki la yo, ki pa jam péché. Classe politique, secteur, oligarque corrompu, ki la, ki pa jam, ki pa responsable de sa pey ap konne la, de sa pey ap vive la, mais dim ki est ki pa jam péché, dim ki est ki pa responsable de situation ap vive la. Dim ki est la dan yo. Pe moun ki est la dan yo. Kounya lèm di tabou la rasa, manaf avec bandi yo. Non mon cher, oh, m'de jou di sa ici, oui. Pa gen aucun côté à travers le monde pour bandi a diriger, non? Non mon cher, mais comme ça mon cher. Bandi a prêté bandi. Bandi pa gen état d'âme, bandi pa gen religion, bandi pa gen famille. Famille bandi c'est bandi pareli. M'pa la jam ka la logique bandi. Non mon cher, c'est peuple haïtien. Hein? Lèm di que peuple haïtien doit faire un tabou la rasa. C'est contre classe politique là, oligarque corrompu, société civile là, doit assumer sa lié. Et même nous les diaspora pile là yo qui jodi a envoyé ça rentrer en Haïti, eh ben peuple haïtien, moun k'ap soufri, environ 12 millions haïtiens k'ap soufri, c'est eux mêmes qui vous lever camper pour faire un tabou la rasa contre moun sa yo, contre secteur sa yo et même contre communauté internationale là lui-même tout. Alors, bon du bail qui clair. Ou pas été quoi si États-Unis pour compte li te vle aider te vle résoudre sa guerre haïtien la t'as résoudre li t'as résoudre li si États-Unis si Nations Unies ouais même pas autant de qui vient droit de tant que la Chine la Russie autant de les il va accepter va droit de menti yo yon ban intérêt Haïti même de ba ki clair. Nations Unies pas d'intérêt Haïti. Pas vite mettre ce côté, oh la Chine mais Haïti, la Russie mais Haïti, yon pa vle, yon pa reme Haïti. Nations Unies pa reme Haïti. Yon pa reme Haïti. Parce que ça gen là, international la konel, yon kon sa gen là. Et yon kont ki biye nan mette sa gen là. Yon konen tout, si yon vle résoudre, yon ka résoudre li, mais yon pa vle ça. Parce que ça qui est haïtien là, on va prouver,
gros équipe, gros organisation, au gros ONG américain, canadien, français qui a fait capital économique là Haïti. Côté des débats de fond, qui a décaissé gros somme l'argent là. NUD, USAID, PAM, OIM, OMS, ma connaissance, en pile dans le bid, Banque mondiale et ONU Femme, UNFPA. Il y a un paquet d'organisations, gros organismes américains, canadiens, français, qui Haïti là. Il y a de gros ambassades là qui Haïti là. De gros ambassades qui Haïti là. Il y a fait capital avec ça en Haïti là. L'entendez, l'emabgade, Maria Isabel Salvador, chef bini en Haïti, pas oublié avant c'était Hélène Lalim. M'kwè ça, c'est pas trop te comme madame Sisson et Hélène Lalim. Et pas te dit, il te félicite Fédération Gagnon en Haïti, allez, allez même. Mais oui, madame Lalim. Je dis, hein, qui te content féliciter Fédération Gagnon en Haïti. Mais à pas résultat, m'abgade là. Qu'on a oublié de dire comme si la États-Unis, oublié de dire Nations Unies, oublié de dire OEA, CARICOM, l'ONU, BINU, SALTE, hein, on n'est pas responsable de ça, et ça qu'on est là. Secteur, pays, organisme international, qui connaît le pas péché, dans ça, Haïti, qu'on est là, levé mail, frappé l'estomac, il dit le pas responsable. Et je dis en tout, organisme ou bien secteur. Si je dis, yo même, yo vle pour un bagay pour Haïti, yo ka fèl. Kote CARICOM la, hein, CARICOM oui. Marché commun de la Caraïbe, si m'batrou même Jean-Bazaré Léon. Hein, CARICOM oui. Je dis, c'est plus que 12 à 13 missions étrangères nous prenons pays, hein. De 91 à 92 à journée, je dis, hein. Il dit pas de plan. Il n'y a pas de plan pour Haïti sortir dans sa vie là. Et m'le qui comprenne. Et l'em dit tabula rasa, c'est peuple haïtien m'a demandé. Fait tabula rasa. Tabula rasa, peuple haïtien. Peuple qui a souffri jeudi. Peuple qui n'a misère jeudi. C'est nous-mêmes qui pour conscient. Lever campé. Parce que je dis, c'est nous-mêmes. Bon diable touye solino. C'est nous-mêmes, bon diable touye petit nous, madame, nous, mari nous. Et non ça vient dans l'ester. Imaginez, une dame enceinte qui a 8 mois. 8 mois, oui, mes amis. Avec si, son monde qui fin accoucher, si moun sa, son si monde qui gete fin fête, li pou bal li mouri. Bon, bah konne si ti moun nan, si yo pren, si ti moun nan sauve, bah konne, comment ça passe. Le pren de ti, de demoiselle, yon ge 18 ans qui l'école.